vous les barrez là aussi. J'essaie de venir. Venez un peu vers ici, tu ne peux pas là. Vous venez un peu vers moi. Un peu encore. On rentre un peu. Amis internautes, bonjour. Nous sommes en direct dernièrement derrière Raï, où s'est produit le drame de l'écoulement de la colline sur des maisons. Vous voyez là le ministre de la Défense, le ministre Ahmed Bakayoko. Voilà. Nous rappelons que vous êtes sur Ovaja Media. Voilà. Tout à fait. Ouais, d'accord. Ah oui, d'accord. Mmh. C'est pas loin. Mmh. C'est pas loin. Bien, ok, monsieur, bon courage. Vraiment, oh, merci le maire. Non, vraiment. Ok. On part où? Pourquoi on n'est pas allé comme ça? On peut partir par là? On passe, on rentre dans la montée. Ok, d'accord. Bon, allez-y. Alors nous rappelons, vous êtes sur Ovaja Media, nous sommes sur les lieux où s'est produit le drame. Oui, pardon. Où sont mes gars là maintenant? Je suis là. Oui, oh, d'accord. Alors avec la région, on a été là. Ok. Ok, de quoi on va parler? Faut lui mettre. Pourquoi les gars m'ont là? Vous avez fait une interview avec lui? Attendez, on va le faire deux fois. Ok. Pardon. Appelle le pompier. Comment ça va? Ça va? Ça va? Vous voulez prendre un bas là-bas? Là, vous dans le dos, comme ça, voilà, c'est bon. Mmh. Colonel, le sien. Colonel. Bonjour, préfet. Bonjour, l'opération. Colonel, bon. On a su votre territoire. Oui, là, je suis le DG. DG. Oui. Monsieur le maire, c'est chez vous? Oui. Voilà, DG Solidarité. Oui. Solidarité, hein. Voilà. Alors tout à l'heure, vous allez entendre le préfet. Vous êtes descendu ce matin sur le terrain, sur lequel il y a des opérations. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a donné tout à l'heure le bilan. Il a expliqué les circonstances de ce drame-là.
Donc, pour résumer, il y a eu de fortes précipitations de la nuit de mercredi à jeudi. Et ces précipitations ont entraîné un éboulement avec coulée de boue. Et toutes les maisons qui étaient sur le flanc de ce talus-là ont été emportées, une vingtaine de maisons. Le bilan pour l'instant, il a été communiqué par le ministre de la Sécurité. Le bilan provisoire de 13 personnes décédées, des personnes secourues, mais c'est un bilan provisoire. Les recherches se poursuivent. Quel est le message que vous tenez à lancer à la population pour éviter ce genre de situation, ce genre de drame? Les forces de sécurité ici présentes, donc la gendarmerie nationale, la police nationale, les pompiers qui sont autour de nous, demandent aux populations de quitter les zones à risque. Et cette zone que vous voyez, où il y a eu ce drame, est une zone non constructible. La plupart des drames qui arrivent aujourd'hui en saison des pluies arrivent dans les zones non constructibles, l'État ayant engagé de grands travaux, ayant construit des ouvrages d'assainissement, l'écoulement des eaux est relativement maîtrisé à Abidjan. Mais les installations anarchiques dans les zones inondables créent ce genre de drame. Donc c'est le message que nous lançons à toutes les populations d'Abidjan qui ont été déjà informées. L'ONPC, dont le DG est là, a donné déjà des notifications au ministère de la Construction pour que les personnes partent au moins pendant la saison des pluies pour préserver des vies. Et le DG de l'ONPC est ici, c'est lui qui fait ce travail-là. C'est ce message que vous voulez lancer aux populations? Nous disons, nous demandons encore une fois aux populations, il y a quelques jours, hier matin, nous faisions encore la sensibilisation. Le DG de l'ONPC, lui-même et son équipe, ils sont allés dans toutes les zones dangereuses d'Abidjan. Ils ont passé des messages, ils ont mis en place des moyens modernes de surveillance, notamment les drones, pour surveiller les crues. Et c'est le message que nous passons en tant que préfet, quitter les zones à risque, parce que les pluies qui arrivent seraient beaucoup plus importantes que celle de l'année précédente. Merci beaucoup. Le DG de l'ONPC, c'est lui qui gère. Peut-être que ce soit les populations qui sont concernées, j'ai le DG de l'ONPC qui est là, et c'est un travail que nous faisons au niveau départemental, des dispositions qu'ils ont prises au niveau national. Toutes les populations concernées par les dégarpissements ont été déjà informées, et certaines d'entre elles depuis 5 ans. Et je peux vous certifier, ils ont les preuves, les documents à l'appui, que beaucoup, certaines de ces populations étaient déjà dédommagées depuis 2015, 2016. Mais il y a eu une recolonisation. Il y a eu une recolonisation de ces sites. Donc ça, c'est maintenant l'aspect qu'il faudra surveiller. Donc c'est pour répondre à votre question, que ces populations soient informées, beaucoup ont été déjà indemnisées, mais restent sur les sites qui sont classés comme dangereux. Merci beaucoup. Oui, c'est juste. On a fait déjà sur les mêmes listes. Alors nous rappelons que vous êtes sur Vaja Media, vous venez de suivre l'intervention du préfet de la région d'Abidjan. Nous rappelons que vous êtes sur Vaja Media. Le drame qui s'est produit vraiment ce matin a été vraiment catastrophique. Je ne sais pas ce qu'ils cherchent en bas, mais il y a des maisons aussi en dessous, sur l'autre côté. Il faut évacuer là, il faut que les gens quittent là. D'accord. Il faut que les gens quittent là. On peut faire ça. Oui, c'est ça. Non, de l'autre côté. L'autre côté. Voilà. Le trou là. Il faut que les gens quittent. Le trou que vous voyez, sur le contrebas du trou, il y a des maisons. Il y a des maisons. En fait, tout le talbeg là doit être. Voilà le DTR. C'est le côté banco là. Le côté banco là. Alors, nous rappelons, hein, vous êtes sur Vaja Media. Tout à l'heure, vous venez de suivre l'intervention du préfet de la région d'Abidjan concernant le drame qui s'est produit ce matin à Agnaman-Dereraï. Voilà. Donc,
sommes là. Vous avez qui veut faire un dernier point? Oui. Vous avez qui veut faire un dernier point? Voilà, bonjour. Ça va? Oui, ça va. Ça ne veut pas aller avec vous? Oui, oui. Amis internautes, vous qui nous prenez en marche, nous rappelons que vous êtes sur Vaja Media. Nous sommes sur les lieux à Bobo, à Niama, précisément derrière où s'est produit le drame de ce matin. Rappelons qu'il a commencé à pleuvoir, excusez-moi, à Bobo depuis 4h du matin. Et c'est ce qui a permis l'écoulement du rail. Et il faut dire que le rail était en hauteur. Et puis il y avait un bas-fond où il y avait des habitations, tout ça. Rappelons que c'est vrai, il y a eu des morts. Pas encore communiqué le nombre de morts, mais c'est ce qui s'est passé vraiment ici à Niama. Voilà, c'est vraiment triste. Mais en fait, voilà. Nous rappelons que vous êtes sur Vaja Media. Ça va, beaucoup de courage. Nous rappelons, amis internautes, vous êtes sur Vaja Media. Tout à l'heure, nous avons pris l'intervention du préfet d'Abidjan. Et là, nous attendons le préfet en discussion avec le groupement, le responsable des sapeurs-pompiers sur les lieux pour donner un bilan de ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc, nous espérons qu'au sorti de là, le préfet pourra parler et donner le nombre qu'on ne souhaite pas. Donc, le nombre de morts, de blessés et toutes ces victimes-là,
On espère que le préfet pourra nous les donner. Voilà. Nous rappelons que vous êtes sur Ovaja Média. Alors, amis internautes, pour cet élément, nous vous remercions. Nous reviendrons tout à l'heure, au sorti du préfet d'Abidjan. Nous allons voir juste un peu les à côté, voir si nous pouvons prendre des impressions. Merci de nous avoir suivi cette vidéo et restez à l'écoute. Rappelons que vous êtes sur Ovaja Média. Ovaja Média sur le lieu pour vous vivre cet élément-là en direct. Merci et à tout à l'heure.